Donc vous avez 155 cours. Ça tire à trajectoire. Ça tire pas en tire oui, direct. Oui. On n'a rien pu faire, rien. On pouvait tirer avec vos fusils. Encore, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient des fusils. Moi, j'en avais. Des artilleurs, oui. On avait le matériel, c'est tout. Oui. Alors, pardon, il y avait déjà les civils sur la route quand. Alors, il y avait il y avait les Allemands et vous, les militaires français, et les civils qui étaient au milieu. Il y a les Allemands qui étaient au milieu des civils. Ils ont bien profité de l'occasion. Ah, oui. Tout Paris, quelqu'un. Et là, on était canardés par les avions sans arrêt, par l'artillerie. Enfin, on a perdu des bonhommes. Et puis, on a sorti de la foule, nous. On a réussi à remonter vers Fontainebleau un peu. On a mis en batterie là-haut. Là, il y avait un petit monticule parce que c'est pas marrant, c'est tout plat là-haut. Et on met en batterie. Et puis moi, j'étais à l'observatoire avec le commandant, le capitaine, tout. Et puis, alors, la batterie était prête à tirer. Et le commandant, pas une crise de folie, il dit, je m'ai juré, on est là pour faire la guerre, on n'est pas fait là pour tuer les Français. Il dit, si je tue pour tuer un Allemand, je vais tuer 100 Français. Il n'a pas tiré. Il n'y avait pas 10 minutes que nous avions commencé que des rafales de mitrailleuses stoppèrent net notre pas. Les Allemands nous attaquaient de flanc. Le capitaine et les officiers organisèrent la défense et la bataille dura l'après-midi, car nous étions bien armés. Fusils mitrailleurs, mitrailleuses et canons de 47. Malgré tout, nous étions les moins forts. Et le capitaine Davout leva le drapeau blanc à 18h30. Nous étions prisonniers. Un officier allemand s'approcha du capitaine Davout et lui demanda son arme. Je pense que ce nom ne lui était pas inconnu, car après avoir enlevé les balles, il lui rendit son arme. La bataille avait été sévère pour les deux camps. Il y avait de nombreux morts et beaucoup de blessés. Après la Norvège et l'Angleterre, ils ont été tous rappelés 8 en France, dans la Somme, oui. Parce qu'il y avait l'invasion qui arrivait. Et là, il y a eu une bataille dans les bois de Liomer, c'est dans la Somme, et c'était très, 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 très dur. Ils n'avaient pas de matériel, ils n'avaient rien. Et là, il a été fait prisonnier, lui, avec... une grande partie de la région, oui. Ouais. Ils étaient dans un village qui avait plus personne que des boches qui se promenaient là. Alors, eux, ils étaient rentrés dans une maison, et ils avaient laissé tout fermé. Personne parlait fort, enfin, personne faisait du bruit. Ils étaient bien tranquilles dans cette maison. Ils étaient un petit groupe, un petit groupe. Ils étaient un petit groupe. Puis ils avaient faim. Alors, ils descendent à la corde. Ils descendent à la corde. Ils voient un saloir rempli de morceaux de cochon. Ah ben, dis donc. Alors, ils se disent, on va faire cuire. Ils font cuire le cochon. Mais les Allemands, ils ont vu la fumée. Ils ont été vendus par la cheminée. Eh oui, ils arrivent leur bord. Paf, enfonce la porte et tout. Mais ils avaient déjà mis les armes, leurs fusils dans un coin. Ils ont levé les mains. Hein. Il n'y avait rien à faire. Hein. Ouais. Alors dites. Photo cochon. Ouais. 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 Ah, autrement, ils étaient tranquilles. Il n'y avait presque plus de presque point de bauche dans le pays, ni déjà. Ouais. Ouais. Ils étaient bien tranquilles dans cette maison. Ouais. Il a fallu qu'ils fassent ça. Ils n'y ont pas pensé. On faisait partie de l'armée des Alpes. On s'est dit, nous, on est là s'il y a quelque chose. Seulement comme en 40, il s'est poursuivi autre chose de l'autre côté, qu'on a été débordés, il a fallu qu'on parte pour aller au secours de l'autre côté. Alors on a atterri au pied de les... Je mélange les noms, hein. Au pied du chemin des Dames. Et on est parti pour aller en contact avec les Allemands. Et au fur et à mesure qu'on montait, on trouvait les troupes qui s'en allaient. C'était terrible. Les gens nous disaient, vous allez les arrêter. Ben, on passe bien.
Puis on est arrivé, mais quand on a vu, les Allemands avaient des chars, ils avaient tout. Nous, on avait encore les mulets. Nous. Vous vous rendez compte d'une armée? Alors il a fallu reculer tant qu'on pouvait, jusqu'à ce qu'on arrive au chemin des Dames. Alors là, on a fait une pause. On s'est trouvé dans les mêmes tranchées qu'en 14, vous vous rendez compte? Au moment où on allait partir, on prend pas la direction, on a été illuminé par des spots tout autour. C'est les Allemands qui nous encerclaient. Alors c'était bien simple. Ou vous vous rendez, ou vous êtes tous cuits. Comme ils nous entouraient. Oui. Alors tout le monde gradait comme les autres. On s'est rendu. On a été ramassés là. Et on a déménagé, on est parti. Et on a été atterrir donc là, à Sagan, en Silésie. Donc j'ai été fait prisonnier le 11 juin au soir par un officier allemand au moment où je traversais une route. J'avais perdu ma compagnie la veille le 10, pris sous un feu d'infanterie allemande. Je suis resté 2 heures couché dans un sillon de la bourre avec 2 camarades, Dumont et Guillot. Nous nous en sommes tirés tous 3 indemnes. Près de moi était blessé d'une balle à la jambe le caporal Hébrard. Ensuite, j'ai réussi à rejoindre quelques hommes du 67e bataillon. Mais dans la nuit, nous sommes retombés de nouveau dans les lignes allemandes que nous avons traversées en rampant dans l'herbe. Au petit jour, nous nous sommes cachés dans une cabane jusqu'au soir, et c'est au moment où je tentais de repartir avec mes 2 camarades que j'ai été pris, harassé de sommeil, de fatigue et de faim. Je suis arrivé au stalag Bissé au bout de 4 nuits et 3 jours. Et il est où dans, il est situé où en Allemagne, ce stalag? En Silésie, à Sagan. D'accord. C'est en ce moment, c'est la Pologne maintenant. Oui, oui. Bon, alors de là, je suis resté là-bas un moment, et puis ils ont délégué dans un commando à Prozendorf, avant Breslau. Les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre pour les campagnes. Alors un beau jour, je me suis dit, moi qui travaillais dans une usine de liqueurs, seulement ils avaient besoin de main-d'œuvre, j'ai été mis avec les paysans. Bon. Pendant qu'on entend, les gardiens s'amènent à parler aux Allemands qui étaient là, et disent, ben voilà, c'est les prisonniers que vous allez avoir pour travailler. Et pendant qu'on causait, on voyait un homme plus loin dans la cour qui nous faisait des grands signes. On se demandait qui c'était, puis après il s'est approché. C'était un déporté polonais qui travaillait là-dedans. Il était en train de charger du fumier. Il est venu nous voir pour nous dire bonjour. Il était pieds nus. Alors je regardais avec le copain, j'ai dit, mais dis donc. Et il était pieds nus. Il avait le jus du fumier qui lui sortait des doigts de pied. Alors on s'est dit, dans quel endroit on est tombé, qu'est-ce que ça va être. Enfin. Les colis vous receviez, il y avait quoi, des biscuits, j'imagine, du chocolat non mais... Oui, c'était complet. Il y avait chocolat, il y avait biscuits, il y avait confiture. Et puis surtout, le tabac, les cigarettes, des camels et tout, des machins de première rang. Ça, c'était avant que les Américains montrent en guerre, avant, l'Amérique était déjà en guerre, qu'ils vous envoyaient en guerre. Oui, mais même, ça fait partie de la Croix-Rouge, tout ça. Ah ben oui. Alors, bon, ben, nous, on avait le droit, il fallait que nous, on envoie l'adresse, une fèche, pour qu'on m'envoie un colis. Et moi, quand j'ai appris ce qui se passait en France, que mes vieux parents mouraient pas de faim, n'avaient rien, j'ai dit, j'avais honte d'envoyer encore une étiquette pour qu'ils m'envoient. Alors j'envoyais le moins possible. Il fallait, puisqu'on me réclamait, puisque les autres le faisaient. Mais je me rappelle toujours de ça. J'ai vu là un pou, hein. Il était, les poux de corps, ils sont dégueulasses. J'en ai plein dans les revers, dans les machins comme ça. Alors, gratter toute l'âge, toute l'âge. Et vous n'aviez pas pour vous changer? On partait à l'étoile polaire, et on arrivait le soir, le machin, une nuit. Mais on avait surtout honte vis-à-vis des civils qui disent, par-dessus le marché, ces cochons de Français. Vous voyez, on avait honte. Alors, on cachait ça. Mais on en souffrait dans la journée, parce que, vous voyez, ça mange, ça. Ça va bien pour les cheveux. On était coupé à zéro, alors là, il n'y avait pas de problème. Hein.
quand il a été fait prisonnier, ben, on était long à avoir des nouvelles. Hein. Ouais, voilà. Oh là là. Alors, je sais que monsieur, c'était Chevron qui était facteur. Un dimanche matin, à 7 heures, il était au portail. Et puis, il m'a fait voir que j'avais une lettre. Oh là, qu'est-ce qu'on était contents. Mais, on voit la lettre, il était prisonnier. Alors, voilà, je me suis mise à pleurer. Puis le facteur me disait, mais il est prisonnier, mais il va bientôt rentrer. Il ne faut pas pleurer, il est vivant. Nous avions pensé un peu que la captivité ne serait pas trop longue, compte tenu des affirmations du gouvernement de Vichy. Mais cette illusion disparut lorsqu'on nous transféra au camp de Hoyes-Verda en Saxe. Avec Jean Jourdan, nous ne nous quittions pas et furent affectés une équipe de 15 prisonniers pour le commando d'Osdorf afin de travailler dans une carrière de pierre à 4 km du commando. À peine arrivé au camp, une fois immatriculés, la plupart des prisonniers vont être embarqués vers un lieu de travail. C'est la dispersion dans les commandos. Les départs se font en groupes plus ou moins nombreux. Au matin, on rassemble un certain nombre de PG, le plus souvent en ce début de captivité, sans critères de sélection. On demande surtout des agriculteurs, mais tous les PG se disent volontiers cultivateurs dans leur désir de sortir du camp et d'échapper aux affres de la faim qui règne toujours en maîtresse. Je suis née le 15 octobre 1935. Quand mon papa est parti, j'avais 5 ans. Il est revenu, j'avais 10 ans. Est-ce que vous vous souvenez du départ? Vous aviez ça? Vous aviez... Non, le départ ne me dit rien, à part qu'on s'est retrouvé seul avec ma maman, vite quand même. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, la guerre bien sûr. On avait ma grand-mère qui venait souvent chez nous, et on s'est retrouvés, donc ma sœur, qui avait 2 ans de plus, ma maman, toutes les 3, voilà. Donc cette période, ça a été, on ne comprenait pas bien, 5 ans, à notre époque. Hein. Et vous aviez quel moyen de subsistance? Alors voilà, ma maman travaillait à domicile, elle faisait du chenillage, c'est-à-dire c'était du tulle où on mettait des chenilles, voilà. Et donc elle gagnait très peu sa vie. Elle travaillait la moitié de la nuit. Et puis voilà, donc là c'était dur. Hein. Donc pour nous habiller, on avait la Croix-Rouge qui nous donnait des affaires. On faisait de la soupe parce qu'on avait un oncle qui n'était pas parti à la guerre et qui avait planté des pommes de terre. Donc là, on a eu faim quand même. Hein. Vous viviez à Trèfle. Oui, à Trèfle. Voilà. Oui. Quand même, avec la campagne proche, il y avait des moyens de se ravitailler un petit peu. C'est-à-dire, on se ravitaillait, oui, un peu le marché noir, comme on dit. Hein, voilà. Donc, ma maman allait en vélo dans la campagne, mais elle revenait quoi avec des légumes, pas grand-chose. On avait la chance d'avoir une tante qui avait plusieurs enfants, mais qui nous s'occupait de nous, donc quelquefois on allait manger. Et je me rappelle la soupe qui était améliorée. C'était le vendredi, il y avait une tranche de lard dedans. Il fallait aller nettoyer chez les cochons. Moi, le cochon, on ne le connaissait pas, je ne savais pas. Et quand je rentrais dans ces machins, parce que c'est très petit, ils ne leur laissent pas beaucoup d'espace. Parce que ce qui compte chez eux, c'est qu'ils aient du lard. Ah, le lard chez eux, ils s'en font des tartines, moi je n'ai jamais pu le manger. Là. Voilà. Alors, ils venaient me mordiller les chevilles. Et moi, je leur donnais des coups de manche de fourche sur le dos, ouais, pour les faire partir. Mais une chose que je ne savais pas, c'est que tout ça, ça laisse des traces. Quand le charcutier est venu pour tuer le cochon, parce qu'il tuait au moins 2 cochons par an, parce qu'il mangeait que 2 cochons, eh bien, ils m'ont appelé tout farfloute. Alors, vous savez, c'est, hein, tous les coups que j'avais donnés dessus, ça laisse des traces noires. Et le lard était... c'était pas bon à manger, quoi. C'était tout de la perte. Alors, il m'avait foutu une anguille. Mais j'avais compris. Quand je suis arrivé au camp, les Allemands faisaient la soupe. Et comme ils étaient bousculés, ils épluchaient pas les patates. Et
Moi qui n'étais pas gros mangeur, malgré que je mangeais ma soupe, je crachais les épluchures. Eh bien, des gros mangeurs français allaient les ramasser pour les manger. Dans le camp où on était, il y avait des... Comment ça s'appelle, ces arbres qu'on les a, Les peupliers ? Les peupliers ? Non. Les bouleaux ? Voilà. Boulot, vous savez ce que c'est blanche. Que les bouleaux ? Oui. C'est des arbres, ils ont... c'est blanc, l'écorce, machin. Jusqu'à hauteur qu'on pouvait attraper, ils sortaient l'écorche pour pouvoir la fumer. Vous savez, les vrais fumeurs, ils étaient en enfer, là. Les Allemands nous donnaient un morceau de pain qui faisait 20 cm, une petite miche. Et c'était à couper et à partager en 10. Le type qui se proposait de couper les tranches, si vous aviez vu les scènes. Puis il y en a un jour qui n'a pas tout mangé, qui l'a gardé de côté. Il y en a un qui l'a vu, est allé lui la voler. Ça avait fait une affaire là-bas. Ça avait fait une affaire. Pour Noël, il y avait quelque chose qui se passait pour Noël. On allait à la messe de minuit, c'était à minuit, mais ce jour-là, on avait, ma maman faisait des petits gâteaux dans le four. C'était exceptionnel. Il est arrivé un truc extraordinaire pour Noël, et ben, le feu a pris dans la cheminée, parce qu'on avait fait de trop marcher la petite cuisinière. Et voilà, donc les pompiers sont venus. Alors moi, j'étais terrorisée. Et puis voilà, on m'a dit, il n'y aura pas de Père Noël, puisqu'il y a le feu dans la cheminée. Voilà. Comme il n'avait pas tellement l'intention de passer, donc voilà, un Noël comme ça. J'ai eu l'idée que votre père serait retour pour le Noël prochain. Non, parce qu'on... Non. En fait, c'était tellement long qu'on ne l'attendait plus. Il nous écrivait, mais souvent les lettres étaient comme... On ne pouvait pas toutes les lire. Et puis, il nous envoyait des photos qu'on voyait dans la ferme. Et nous, on lui envoyait des photos aussi, mais très peu. On nous prenait toutes les trois. J'ai des photos, on est toutes les trois avec ma maman. Il est né au mois de juin et mon mari est parti au mois de septembre. Il le réclamait son père. Ah oui, oui. Oui, 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 on lui en parlait beaucoup. À mon voisin, je disais bonjour papa, ça les vexait à côté. Et bon, il filait droit. Oui, parce qu'il attendait. J'entendais papa, donc son fils qu'il appelait papa. Il croyait que c'était son nom, alors il lui disait bonjour papa. Voilà. Il était gêné. Hein, il était gêné. Ah oui, bah ouais, après... S'ils vont chercher trop. Oui, après on lui a expliqué que c'était le papa de. Ouais. Du voisin. Mais que c'était pas le sien, ouais. Que le papa il était bon, prisonnier. Alors il disait à l'école, mon papa est prisonnier. Alors au début, on voyait, je faisais cuire un poulet et on le mettait dans des grandes boîtes comme ça, et puis Germain Gaillard les soudait, tu sais. Mais ils n'arrivaient pas comme il faut. Ah oui, ils étaient abîmés, gâtés. Ouais. Alors j'avais renoncé, quoi, ça. Mais autrement, on envoyait des colliers, on débrouillait des tomes, des saucissons. Oui, on envoyait des colliers. Et une fois, on avait envoyé de la confiture qu'on avait fait. On avait fait ramasser des confitures. Oui. Il a mangé le pot d'un coup, il a été malade. Oui, oui. Ça l'avait fait malade. C'était tellement bon. Que d'habitude, ils partageaient leurs colis. Mais ce jour-là, ils reçoivent un colis qu'on avait mis de la confiture. Ben, toute la nuit, ils mangeaient cuillerée par cuillerée. Il a tout mangé pour la confiture. Il était plus ennuyé le lendemain pour pas partager avec ses copains, mais ça a été plus fort que lui. La confiture qu'on avait faite, il a mangé. Oui, puis l'estomac avait réduit, donc ça, il n'y a pas de problème. Il avait été content de cette confiture. Le contact, c'était donc les lettres. Et donc, on savait qu'il était vivant, qu'il n'y avait pas de soucis à ce sujet. Et ben, je l'ai vécu. J'ai souvenir que ma mère a envoyé une photo de moi et d'elle. Et elle rentrait du travail. Et il fallait que je sois prête, bien habillée, pour aller chez le photographe en ville, parce qu'on habitait un petit peu à l'extérieur. Et puis moi, dans mon insouciance,
J'avais pas envie de m'habiller et d'aller faire une photo. Je préférais rester jouer avec les chats, le chien de ma grand-mère, dans le jardin. Et ma mère a piqué une grosse colère. Je me souviens, il y avait une bassine avec un bassin où coulait l'eau et j'ai reçu la bassine d'eau sur la figure. Donc après, bon, toute séchée et tout, ben je me suis changée et on est parti se faire photographier. Et cette photo, elle est partie et elle est bien arrivée chez mon père. Là, il y avait une petite anecdote qui nous racontait. Un jour, leur commando avait pour mission la récolte d'un immense champ de betteraves. Un gardien civil, ne connaissant pas la culture, les veillait. Toute la journée, les PG s'acharnèrent à couper les feuilles, à les rassembler, tout en ayant soin de laisser les betteraves dans la terre. On imagine les cris de l'exploitant le soir lorsque les PG rentrèrent avec les feuilles. Donc ils faisaient plusieurs petits coups comme ça. Est-ce que vous avez eu envie de vous échapper, de vous évader? Quand on s'est trouvé là-bas dans cet endroit, perdu, dans ces petits villages, il fallait faire des kilomètres pour trouver quelqu'un. On ne sait pas parler, on n'a pas une grosse santé. Il aurait fallu faire une provision de manger pour partir, voir ce qu'il fallait. Non, elle n'était pas. Donc les évasions, c'était dur parce que c'était, pour s'évader, c'était prendre des risques, c'était s'exposer à une souffrance physique encore accrue. Il fallait une certaine forme, il fallait assumer les éventuelles sanctions, les dangers réels d'être tué ou de faire tuer d'autres camarades. Donc l'évasion nécessitait un courage, un goût du risque. Et il y a pensé quand même depuis 1941 déjà. Oui. Et donc il demande sur une lettre, « Monsieur Gâteau doit m'écrire, je sais que sa santé est en danger, il doit être opéré. Je désire que cela se passe bien. Le plus embêtant serait la liquidation de son fonds. » Donc il demande à maman de lui envoyer dans un gâteau une carte. Donc on a retrouvé plusieurs, on a vu aussi tout à l'heure. C'est ça qui a été roulé avec des annotations. Et puis celle-ci, la petite petite. Roulée dans un gâteau. Elle a été roulée dans un gâteau. C'était pas ça, dans un. Ça, c'est la carte qu'il a reçue. Oui. Et ça, c'est ce que. Et ça, c'est la première. Dessiné. Non, ça c'était fait par vous. Ça a été fait par, un oncle de l'époque qui lui a envoyé. Ah oui, d'accord. Je crois que celui-là était roulé dans un tube d'aspirine et mis dans le gâteau. Quand j'aurai reçu la carte de Monsieur Gâteau, je saurai les parties essentielles à étudier pour mon concours en rentrant. Alors je pense qu'il n'avait rien à faire de recevoir un gâteau, mais il lui dit qu'elle est bonne cuisinière. Oui. Vous le partagez. Et puis il avait besoin aussi d'une boussole. C'est l'histoire de la boussole. Alors le même mois aussi, il écrit, je pense bientôt recevoir une carte de Monsieur Gâteau à Boussolaz. Je lui avais écrit il y a quelque temps. Il nous rend tellement de services. C'est toujours lui qui dirige, Monsieur Boussolaz. En plus, c'est un homme qui devient savoyard. Oui. C'est astucieux. Alors voilà, on arrive en 44 et cette fois, l'évasion qu'il se peut se réaliser. Puis les voici en Belgique, en région flamande. Là, les habitants ne parlent pas français. Nos deux prisonniers sont de nouveau épuisés par la faim. Oui, parce qu'à cette époque, c'était en hiver. Ils ne pouvaient pas chaparder des légumes, des fruits. Ils sont épuisés aussi par la fatigue, le froid, les nuits passées à la belle étoile. Ils relâchent un peu leur attention, voient un panneau d'indication avec un nom français. Ils supposent se trouver en Belgique wallonne, mais ils n'y sont pas encore. Ils frappent à plusieurs portes afin d'obtenir de l'aide. Les portes se ferment et ils sont même dénoncés. Une patrouille allemande viendra les recueillir la nuit près d'Erenthal le 16 janvier. Moi, je travaillais là, donc à ce machin-là. On m'avait mis comme chauffeur de four. On faisait équipe les 3-8. Je travaillais avec tête de nuit. Et puis, il y avait un type qui était avec moi, l'Allemand qui était avec moi, il était même taille que moi. J'ai dit, un beau jour, je savais où il mettait son vélo. Enfin, il y avait un hangar vélo.
dans Bestière, j'avais repéré, parce qu'il fallait... J'avais eu aucun... On avait fait des boussoles dans des boîtes d'allumettes avec des lames de rasoir. Au moins, il y avait des spécialistes. Une boîte d'allumettes, dessous, il y avait des allumettes dessous, mais dessous, dessus, puis dessous, il y avait la boussole. On avait fait des boussoles. Oh, mais au camp, il y avait de tout hein, dans les camps. Alors, j'avais une carte détaillée pour direction en Belgique. Il y avait des types qui laissaient... des passeurs, quoi. Bon, j'avais repéré le type. On devait finir à 5 heures du matin, on devait finir. J'ai dit, tant je vais au cabinet, moi. J'ai dit, tu t'occupes de mon four. Il fallait passer 10 tonnes de charbon par four. On appelle, allez, vas-y. On avait 6 fours à entretenir. Alors, je vais au vestiaire. Je prends ces bleus, parce que nous, on avait pas de bleus, on avait nos vestes kaki avec cagé, quoi, un grand cagé sur le dos, et puis sur les pantalons. Je me suis changé, j'avais déjà préparé la musette et tout, quoi. J'avais camouflé, un jour ou deux jours avant, j'avais mis du chocolat, j'avais du sucre, j'avais, enfin, des bricoles. Je fauche le vélo, vire. Arrivé presque à Aix-la-Chapelle, deux motards. Oh mon Dieu, la police de la route. Arrête. Où c'est que vous allez? Moi, j'ai parlé en italien. Moi, je suis italien. Moi, je ne suis pas travailleur italien. Manque de peau, j'avais oublié d'enlever ma plaque. De prisonnier? De prisonnier. Faisait chaud, je me rappelle. J'avais enlevé là. Il m'a dit, et ça? Vous êtes italien? m'emmène. À Durel, ils passent à tabac. Non, ils m'ont passé d'abord à tabac la caserne. Non, vous n'êtes pas italien. Vous n'êtes pas italien. J'ai dit, si, je suis italien, je travaille à tel endroit. Comme ça. Non, il dit, ça. Merde. La seule chose que j'avais oublié d'appeler. Bon, ben, on me ramène au camp. 15 jours de prison. 15 jours de prison, bon, c'est bon. Je sors de prison, je reste au camp, je suis resté, je ne sais pas combien, 2 mois, 3 mois. Je remonte à un magasin, des frites, tout ce qui s'évadait d'une chose ou d'une autre. On récupérait tous leurs affaires, puis on faisait des trocs, quoi. Des types qui étaient repris, qui revenaient au camp. Alors, il fallait les habiller, il fallait les chausser, il fallait... Ouais, ah ben, vous ouais. Disiez que vous avez, à vous, raconté son évasion. Sa tentative d'évasion. Avec quelques copains d'infortune où ils étaient dans l'enfer, mais qu'ils ont été repris à quelques kilomètres de la frontière française. Ça, ouais. Et pas de détails? Non, pas, ils ne donnaient pas tellement des détails. Après, ils passaient sur autre chose. Il m'a sorti ça le jour où il y a eu une émission sur la guerre 45. Donc, voilà. Je viens d'apprendre par mon fils que mon père avait tenté de s'évader. C'est la première fois que j'en entends parler à l'instant. Et ça n'a pas réussi. Et d'après ce que me dit Philippe, mon fils, après, ils ont été changés de camp, éloignés de celui où il était, où il avait déjà vécu pendant quelques temps. J'ai bien pardonné. Il faut, d'ailleurs, c'est ma région, pardonne. Mais oublier complètement, non, ça reste. Je suis encore ennemi des Allemands. Moi, je ne suis pas d'accord avec leur machin, je ne suis pas d'accord. Et j'y serai jamais. Pas avec ce qu'ils ont fait. Non, c'est pas possible. Je vais vous dire une chose, je suis l'avantage sur beaucoup de prisonniers. Je suis resté un an et demi, je suis rentré malade comme tuberculeux. Quand les Russes sont venus, ils étaient des milliers, des millions qui venaient, il mourait 40 Russes par jour, pendant que nous, on met 3 Français par semaine. On n'avait pas de l'amour, de l'affection. On avait la constance de vivre ensemble. On ne peut pas dire qu'il y avait d'amour. Il est juste arrivé à la fin, quand ils ont vu que les Russes allaient arriver, là, et que c'était...
La bonnèche a dit, oui, on peut vous laver la chemise. Notre plaisir, mon plaisir à moi, dans l'écurie des vaches qui faisait bon, il nous avait autorisé une fois par semaine un seau d'eau tienne avec un baquet en bois. On allait à l'écurie, on étendait une machine de paille et on se débarbouillait, on se mettait à poil et on faisait notre machin. Ça, je reconnais que entre paysans, entre eux, ils se racontaient ce qu'ils faisaient. Le mien, prisonnier, il fait ci, l'autre, il fait là. Alors, il disait quand même, il faut un minimum, quoi. Alors, ça, on avait ça de bien. Alors, le dimanche matin, on allait soigner les bêtes, et l'après-midi, ben, on est resté dans notre commando, reprisé. Moi, j'ai reprisé les chaussettes, j'ai fait pas mal. On arrive à tout faire, hein. Quand les Russes sont arrivés à la région où j'étais, tout d'abord, les gros paysans qui avaient tous des tracteurs et puis des grosses remorques ont pris leurs prisonniers et ont fiché le camp. Et nous, où on était les petits paysans, on est restés. Et les Russes m'ont ramassé tout de suite et je suis resté avec les Russes du 6 janvier jusqu'à... Je suis libéré au mois de juillet. Il y avait un Russe qui nous emmenait. C'est qu'on arrivait par endroits, on descendait dans les caves pour aller ramasser des patates. Il y avait les Maccabées dedans, mais ils étaient déjà tous noirs, vous savez. Si vous attendez, on change de couleur. Et on a fait ça, ça durait 3 mois. Puis au bout de 3 mois, ils ont décidé de nous emmener en Russie, parce qu'il y avait pas de, la guerre finissait pas, c'est peut-être pas ce qu'ils voulaient. Et je suis venu dans un train de cinglés aussi. Il y en a qui se sont suicidés en route, hein. Non, mais c'est affreux leur cinéma. Et alors, là, je vais vous dire que je change avec les autres, parce que moi, j'ai connu la zone libre après la libération. Et j'ai vu la réoccupation par l'Allemagne, le 11 décembre 1942. Parce que vous êtes libéré en 42, vous. Ouais, moi, en 41, j'étais à la maison. Donc là, je lis, c'est le télégramme que vous envoyez. Heureux, informé, rapatriement, passage Mocon, Albert Révy, Secours National, famille prisonnier. On a atterri au Veldiv, parce que Veldiv existait encore. Alors là, la première chose qui nous a été... On se demandait ce que c'était. À la rentrée, il y avait deux femmes, avec des espèces de tuyaux comme ça, que dans toutes les orifices, et nous asperger. Alors vous savez, c'était une rigolade dans un sens. Vous pensez, ma mère qui me croyait mort. Il y avait mon père, j'avais un frère et 2 sœurs. Ma sœur était mariée à Lyon. Alors vous pensez, dans nos misères, c'était la joie. Quoi qu'il faut vous dire, que mes parents n'avaient presque pas de ressources. Ils étaient vieux, mon père malade à l'époque, il avait pris mal une jambe, il ne pouvait pas travailler. Et il y avait une épicerie qui était tenue par la femme d'un prisonnier, c'est ça qui est plus terrible. La voisine qui habite en face, qui avait 3-4 gosses, elle allait là-bas, elle disait, moi j'ai tout ce que je veux quand je vais là-bas. Et quand ma mère y allait, ben, il n'y avait rien. Elle n'avait pas les moyens de payer l'en plus, ce qui était le plus, quoi. Marché noir, ça coûtait. Ah oui, ils ont souffert. Ben, on faisait plus rien là-bas, là. C'était le désordre. Il y avait des cadavres qui traînaient depuis un mois, là. Mais c'était des bandages. Alors là, c'était c'était des cadavres de gens qui étaient morts de faim, pas de bombardement, donc puisqu'il n'y en a pas eu. Des soldats allemands, surtout. Des soldats allemands qui étaient des blessés qu'on... Qui étaient blessés, qui étaient des gens qui mouraient. Puis là, il y avait une fontaine là-bas, en bas de la route, là. Là, il y avait peut-être 300 corps en tas. Il y en avait aussi au niveau de ce machin, là.
Parce que même les Allemands n'enterraient pas leurs soldats morts. Ben, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient plus, oui. C'était un débâcle. Oui, oui, oui. Parce que nous, on a connu la débâcle. Mais eux, ils ont connu l'apocalypse. Alors, le premier jour, on n'a rien eu. Puis le deuxième jour, ils ont apporté une boîte de... On a touché une boîte chacun de... Il y avait du café, du thé, et puis du chocolat. Mm-hmm. On a pu se faire des boissons. Il n'y a pas à manger encore, ma femme. On avait à boire, parce qu'il n'y avait plus rien à manger là-bas. Hein. Mm-hmm. Il y avait un pauvre... Il y avait un soldat allemand qui était éventré, là, qui était... On avait des soldats blessés dans notre commando, qui étaient allés chercher de l'eau. Il y avait... Nous, on avait de l'eau parce qu'on était au pied de nos machines qu'on avait faites. Alors, il y a un soldat allemand qui était éventré, là. Et il y avait Baron, là. On avait faim. Il voulait leur tailler un morceau. Ouais. Et le chef de commando était un type... Il était mon médic, était un type comme ça. C'était un ancien du 151e d'infanterie. Jean Ravel. Et il dit, Baron, on a tenu jusqu'à aujourd'hui. On tient jusqu'à demain. On a de l'eau, nous. On peut boire de l'eau. Ah oui. Et il n'a pas voulu qu'il le... Mais l'autre voulait aller le dénoncer, là, en coupant un morceau. Il y a eu du cannibalisme. Si Bonneveille l'a dit. Monsieur, il te demande si tu as raconté à tes enfants, à tes petits-enfants, ce que tu as vécu. Mais pas tout. Pas tout, non. Pas tout, peut pardon. Pas. Et vous-même, vous avez entendu aujourd'hui des choses que vous ne connaissiez pas? Si. Oui, moi, j'ai entendu, oui. Qu'est-ce qui fait que c'est vous qui venez témoigner aujourd'hui? Eh bien, papa est décédé en début d'année et il nous a laissé ce témoignage. Témoignage sur sa vie et en particulier sur le temps qu'il a passé en captivité en Allemagne, où il a écrit une quinzaine de pages. Maman est toujours en vie, mais ne souhaitait pas parler de ce qu'elle considère comme étant très intime. Mais elle a accepté quand même que vous témoigniez à partir des textes. Oui, elle a tout à fait accepté que je puisse témoigner, que je puisse lire les textes qu'avait écrit papa. Vous posiez beaucoup de questions sur sa captivité quand vous avez été un peu grande. Est-ce qu'il en parlait volontiers? Alors, je crois qu'il en a parlé assez tard, en fait. Plutôt quand j'avais à peu près 15 ans, hein, donc ça met dans les années 65, hein, par là. Et il en parlait, mais il ne racontait que les choses drôles. Mais je crois que c'est un petit peu le cas de tous les gens qui ont vécu des événements difficiles. Alors, il nous racontait les choses drôles. Et puis, en vieillissant, petit à petit, on dirait qu'il avait fait comme une réflexion sur sa vie en captivité, et là, il avait un autre regard. Puis je crois, en fait, je ne parle pas de la première année où il était dans une carrière de pierre, et là, je pense que ça a été très, très difficile, parce qu'en fait, il n'en a jamais, jamais parlé. On ne sait pas qui était avec lui, ce qu'il faisait, rien du tout. Ça, on dirait. Puis il ne faut pas oublier quand même que... Enfin, c'est maman qui me racontait que pendant 15 ans, la nuit, il se réveillait en sueur et faisait des cauchemars. Et des cauchemars dont il ne voulait pas parler. La teneur de ces cauchemars, il n'en parlait pas. Mais après cette année de pierre, en carrière de pierre, en fait, visiblement, il a pu s'accommoder, hein, de ses 4 ans de captivité, parce que papa était quelqu'un qui aimait les gens, de toute façon. Donc, il a su créer des relations aussi bien avec les prisonniers qu'avec les Allemands avec qui il était, même s'il précisait bien quand même qu'il avait pu nouer ses relations parce que c'était soit des femmes, soit des personnes âgées. Mais que les gens qui étaient endoctrinés, y compris les petits jeunes, ils n'en voyaient pas beaucoup. Et les quelques rares jeunes qui étaient passés par les jeunesses allemandes, ils en avaient peur, hein, les prisonniers. Et c'est vrai ce que je vous disais, que lorsqu'il parlait un petit peu après en vieillissant, il nous a raconté des choses difficiles, hein, oui. Comme la pendaison d'un Polonais qui était avec lui, parce que ce Polonais avait eu une relation avec une femme allemande. Petit à petit, vous voyez, c'est après, quand peut-être qu'il avait réussi à passer par-dessus cette captivité, qu'il arrivait à parler des choses difficiles. Je crois que globalement, ces 4 ans se sont pas mal passés, si ce n'est le fait qu'il en parle bien dans une dernière lettre qu'il a envoyée à maman au mois de décembre 44, enfin Noël 44, où il disait « Je ne sais pas combien de temps ça va durer. » Et en 44, il se disait à Noël « Je ne sais même plus si ça va finir. » Dans un mois, nous serons à Noël, encore un triste Noël à passer. Espérons que ce sera le dernier. Que vas-tu donner à Gisèle ?
Le meilleur Noël serait d'avoir son papa. Depuis le temps qu'on lui parle de son papa, elle va le confondre avec le Père Noël. C'est tous des êtres invisibles. Encore, elle va préférer le Père Noël. Lui, au moins, il lui apporte des jouets dans ses sabots. Nous avions quelques nouvelles de la guerre par le Vacher, un anti-nazi qui écoutait la radio de Londres. Mais l'issue des combats était encore incertaine, et ce n'est qu'en février 43, après la victoire des Soviétiques sur les Allemands de Von Paulus à Stalingrad, que l'espoir changea de camp après cette première défaite d'Hitler. Nous fûmes informés par des tracts lancés par les Anglais et les Américains, avec des photos de longues files de prisonniers, mais allemands cette fois-ci. Pour les habitants du village que je connaissais et qui n'étaient pas très près du régime, mais allemands d'abord, ne réagirent plus de la même façon, surtout après l'annonce de 3 soldats du village tués en Russie. Et ce n'est pas la photo d'Hitler que leur apporta le maire en leur annonçant le décès qui leur remonta le moral. Ils ont été libérés par les Russes. Vous voyez ? Ils ont ouvert le camp, les Russes sont rentrés et tout. Et les soldats, les Allemands leur tirent même dessus. Hein. Ouais. Comme ça. Alors, ils étaient donc en Russie. Là. Ouais. Ils ont marché. Et puis il y avait un grand fleuve. De l'autre côté, c'était les Américains étaient déjà. L'autre côté du fleuve. Oui. L'autre côté du fleuve qui était en Allemagne, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Ah. Oui. Ouais. Je ne me rappelle plus du fleuve, c'est un grand fleuve. Ouais. Mais ils ont bien marché avant d'arriver vers ce fleuve. Oui, ils ont marché. Alors, ils étaient là, alors les gradés disent, on va essayer quelque chose. Sortez tous vos papiers à la main et on va essayer quelque chose. Alors, les gradés ils vont comme ça. Et puis, ils parlent maître avec celui-là qui était gardien des ponts, là. Ils parlent maître avec eux, d'où aller là-bas. Sur tous leurs papiers. Et puis ils ont parlementé, les deux gardiens du pont ont parlementé un peu. Puis il y en a un qui dit pas Issouda, passez. Voilà. Ils sont passés. Voilà qu'ils étaient contents. Ils arrivent de l'autre côté, les Américains n'en revenaient pas qu'ils les laissaient passer. Ils n'en revenaient pas. Alors, après, les deux gardiens du pont, ils se disputaient, ils n'auraient jamais dû les laisser passer. Hein? Mais dites, une fois qu'ils ont été passés, ben, ouais. Ils se sont tous embrassés, voilà. Mais on était fous de joie d'avoir pu passer où il y avait les Américains. Les Américains n'arrivaient pas non plus qu'ils étaient passés. Ils ont tenté leur chance. Mais ils ont tenté le coup comme ça. C'était en juin, je me rappelle, il faisait chaud cette année-là, il faisait très chaud. Et on était dehors parce qu'on avait une petite maison qui était au bout d'un chemin. Donc après, il y avait des terres, tout ça. On était assises avec ma maman. Alors il arrive le garde champêtre sur son vélo. Il était un peu original. Enfin, c'était super. Ça, on aurait dit, je vous dis, le facteur de... Et donc, du jour de fête. Ouais. Hein. Donc là, il était tout excité. Il dit, ça y est, ils arrivent. Il y en arrive un ce soir. Alors ma maman pleure, bien sûr. Elle dit, mais c'est qui? Alors on dit qui c'était, hein. C'était un célibataire. Il dit, mais alors, il faut tous aller à la gare. Hein. On va fermer les magasins, on descend tous, c'est à 6h. 6h, le train de 6h qui arrivera. Alors, venez tous. Et toi, il dit à maman, elle s'appelait Joséphine, on l'appelait Fifine. Alors, toi, Fifine, tu viens avec tes deux petites, et ta petite, là, donnera le bouquet. Donc, c'était moi. Alors, donner le bouquet. Mais qu'est-ce que je vais faire, donner ce bouquet? Enfin, bref, donc, on descend. J'oublierai jamais cette foule. Il y avait toute Trèpes, donc, on était combien à Trèpes? Je sais pas. 600, 700 habitants, je ne sais pas, mais il y avait donc, je sais pas, 300 personnes, oui. Alors donc, tout le monde descendait, il y avait du monde dans ce... On se demandait où on allait, surtout la première fois. Et là, voilà, ce train qui arrive, ce soldat, beau garçon. Donc, il venait de la ligne de l'Est, elle était intéressante. C'est ça, oui. Et donc, après, il filait plus loin, le train, hein, il s'arrêtait. Voilà, c'est ça. Il y a encore des prisonniers qui débarquent. Voilà. Donc, celui-là, on l'attendait, mais je crois qu'il y avait peut-être le maire qui l'attendait, sa famille... Et moi avec mon bouquet. Et ça, on a fait ça. Des fois, il y avait un battement d'un jour, mais c'était rare. Ils arrivaient vite après. Hein. Oui. Des fois, deux. Ils arrivaient de Lyon, vous étiez rassemblés, voilà. Dispatchés. Voilà. Oui. Des fois, deux. On en a eu qu'on n'a pas eu, enfin, qui n'ont pas voulu qu'on les attende, qui devaient arriver après. Il y a quelques-uns qu'on n'a pas accueillis. C'est eux qui ne voulaient pas. C'est ça.
où on allait les chercher en voiture. Ou... Alors l'arrivée de père, c'est un peu spécial. Ah oui, alors là, donc nous, pour le voir avant les autres, pour pas qu'il y ait toute cette foule à Trèpe, on est allé à Crémieux le chercher. Donc, quelqu'un nous a emmené où on a pris un train. J'étais avec ma tante et mon oncle, voilà, ma maman et ma sœur. Donc, on est allé arriver à Crémieux, on a attendu que le train arrive. Le train s'est arrêté, c'est là qu'on est monté. C'est là qu'on a couru sur le quai. On est bien dimanche. Ah oui, tout, tout. Oui. Et là, mon papa est descendu. Enfin, oui, je pensais que c'était mon papa, je l'ai pas reconnu. Sur le quai, puis là, on a couru, couru, et on est monté dans le train. Alors, bon, il avait beau m'embrasser, beau me mettre sur ses genoux. Non, 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 moi, je connaissais absolument pas cet étranger. Hein. J'ai regardé défiler le paysage, c'était long. J'ai dit, qu'est-ce qui va arriver, là, qu'est-ce que c'est que ça? Puis à Trèpe, ben, ça y est, ils nous attendaient tous, hein. Tous, toute notre famille, tous nos amis. Voilà, puis on est rentré chez nous. Enfin, on est rentré chez nous, non. Nous, on est allé chez une de mes tantes. Et ma maman est restée qu'avec mon papa. Parce que nous, on n'avait que deux pièces hein, dans la, où on habitait. Hein. Voilà, et puis ça, voilà, ça a commencé ce truc que... Bon, il était gentil comme tout, mon papa, on n'arrivait pas à s'habituer qu'il y ait un homme. Oui, puis il avait la barbe, pourtant il était... Il était encore en tenue militaire. Voilà, voilà. Il est descendu comme un soldat. Voilà. Dans son ordre de démobilisation, oui, c'était qu'il était encore... Bon, c'est ça, voilà, c'est après à Trèpe qu'il a... Oui. Voilà, bon, puis après, évidemment, c'est... Bon, alors, donc, ce jour-là, il y a quand même eu cette première communion. Là, je ne vous dis pas. Le lendemain, vous... Voilà, oui, puisqu'il est arrivé le vendredi soir, elle a fait la communion le dimanche, donc le samedi, on a tout préparé, c'est-à-dire tout le village de Trèpe s'est mobilisé pour nous amener bon, un poulet, des légumes. Ma sœur a eu des cadeaux, des fleurs. On nous a loué une salle et on était plus de 20, 25. Tout le monde s'est invité, tout le monde est venu. C'était donc le miracle. Il était arrivé la veille de la communion de sa fille. C'était l'avant-dernier. Il restait un prisonnier. Alors justement, quand on allait tous les jours en chercher, c'était jamais le nôtre. Maman disait, c'est pas possible. Alors tout le temps disait, ce sera peut-être pour demain, parce que des fois il y avait deux, trois jours de décalage. Alors quand il arrivait le jour que le garde revenait avec son vélo, ça y est, c'est un tel qui arrive, c'était encore pas le nôtre. Alors là, ma maman pleurait, ma grand-mère pleurait, on disait, il se passe quelque chose, pourquoi pour nous, pourquoi pour le nôtre. Et donc, l'avant-dernier, ils étaient bien une trentaine, oui, ma trêpe, ils étaient nombreux. Hein. Oh, il y a eu des cas, vous savez, c'est surtout les enfants qui ont eu des cas très, très durs. Hein. Des enfants qui n'aimaient pas... Ce monsieur, mais qu'est-ce qu'il vient me faire, ce monsieur, à la maison hein, on était bien avec maman, les tout petits, hein, ceux qui avaient déjà 7-8 ans, ils disaient, oh, il n'était jamais là quand j'avais besoin pour les devoirs et tout ça, etc. J'avais besoin de mon papa, il n'était jamais là, parce que la maman travaillait. Et puis, vous savez, on leur donnait, enfin, pas moi, mais enfin, ces personnes, elles leur mettaient la clé au cou, puis disait à telle heure, quand tu es sur l'école, tu entres, tu fermes la porte, tu ouvres en personne. Et l'enfant entrait chez lui tout seul. Hein? La maman n'était pas là. Et jusque le soir, au retour, vous savez. Et tous ces enfants-là, qu'ils ont vécu pendant la captivité de leur père, quand on le rencontre aujourd'hui, c'est des grands-parents déjà, hein, c'est mariés, tout ça, eh bien, ils ressentent toujours cette manquance du père. Ils disent toujours, mon père n'était pas là quand j'étais petit, mon père était prisonnier quand j'étais petit. Vous voyez, on sent que la présence de papa leur a manqué vraiment. Hein. Puis il y avait une autorité maternelle, certainement, mais tout à coup, une autorité de bonhomme. Et voilà, qu'est-ce qu'il vient faire? Mais il disait, mais qu'est-ce qu'il vient faire, ce monsieur, à la maison hein? Oh oui, mais ça a été des cas très très durs parce que le père ne trouvait pas les mots à dire cet enfant, qu'il aimait tout ça. Et puis quand même 5 ans sans le voir, vous savez, il y a quand même une coupure. Hein. Et l'enfant ne pouvait jamais dire, tiens mon papa, je t'aime, jamais. Ça a été fait à la longue, hein, force de vivre avec et de comprendre, ça a été pour les plus grands. Hein. La poste se trouvait à l'Est et donc à l'époque, c'était un monsieur qui allait distribuer les télégrammes. Et quand il y avait des choses urgentes, ce monsieur était handicapé, quand il y avait des choses urgentes, c'était la postière elle-même, Madame Papillon, qui portait les télégrammes donc, aux familles. Parce que... Donc, Eh bien, ça remonte tout là. Vous voulez qu'on arrête ?
Ça va aller. En fait, elle connaissait toutes les familles. Et elle savait ses familles dans l'angoisse, ils n'avaient plus de nouvelles. Donc elle disait, il n'y a plus une minute à attendre, elle partait avec son vélo. Et moi, je la revois toujours. Elle descendait l'Est avec son télégramme. Ceci, votre papa est revenu, votre papa a des nouvelles de votre papa. Je ne sais pas pourquoi, mais je la revois toujours. Oui. Et donc, vous allez le chercher? Comment ça se passe? Elle est allée chercher à la gare. Après, donc, on a su qu'il arrivait donc, le 8 mai 45. Alors, ça avait été toute une expédition. Le voisin avait mis un drapeau bleu, blanc et rouge sur la maison. Donc, on a un cousin qui avait une... Comment ça s'appelle? Une traction Citroën qui était descendue. Enfin, il y en a qui étaient descendus en vélo. Mais en fait, quand ils sont arrivés à la gare... C'était une joie, je pense que pour maman c'était vraiment une joie, mais moi quand j'ai vu tous ces gens, c'était des gens qui étaient, ils étaient maigres, ils étaient, bon, la Croix-Rouge leur avait quand même donné un petit peu des vêtements, leur avait permis de faire une toilette sommaire, mais c'était quand même dur, moi je... J'avais idéalisé ce père et en réalité, je ne voyais pas du tout. Ça avait été quand même un choc. Hein. Au moins, on est des prisonniers. Ah, ben ça, c'est un lexique. Un lexicon. Je ne sais pas qui l'aura donné. Il y avait un compère qui nous avait donné. Quand il pleuvait, les manches arrivaient là, quand il restait chez les manches étaient là. Et les pantalons barrés. À force de les couper, ils avaient fait un choc. Alors, on va au restaurant, on était trois ou quatre. On ne savait pas les prix, on ne savait rien du tout, nous. On commande un repas, on mange. On m'a payé, le type dit ça. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pensais encore à l'ancien tarif. Il me dit, oh, mais c'est que les temps ont changé. Je dis, comment les temps ont changé? Je dis, mais on n'a pas les moyens, nous, pour payer. Comment? Ben, non, on n'a pas, l'argent pour vous payer. Ça faisait je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus à l'époque. Ben, elle m'a dit, nous vous sortez, ben, je dis, on sort de l'hôpital, on est des prisonniers libres, qu'on vient d'être libérés. C'est notre première sortie. Le patron a tiqué un peu. À la fin, elle a dit, bon, d'accord, j'ai compris. Vous êtes des pauvres gars. Ouais, ben, je dis, des pauvres gars, c'est pas de notre faute. Je voulais, tout a changé. Maintenant, elle m'a dit, ben, qu'est-ce que vous voulez, maintenant, on est obligé de travailler, d'acheter toutes les marchandises au noir. C'est qu'on n'a pas l'argent pour vous payer. On a touché un acompte de, je ne me rappelle pas, 100 ou 150 francs à l'époque. Moi, voulez-vous qu'on vous paye un repas qui coûtait, je crois, plus de 250 balles. C'était un vieux, un bonhomme qui avait 60. Il m'a dit, bah, écoutez, les gars, je vous en fais cadeau, moi, votre dîner. Hein? Des bons, vous venez à... Vous avez assez souffert de la faim, il m'a dit, bon, ben écoutez, allez, je vous paye encore la route. Voilà notre première sortie. Mais c'est qu'on était désorientés à Paris. On avait toujours peur d'avoir une centaine derrière. On saluait tous les officiers. Il m'a dit, mais tu es pas un peu malade. Socialement, moi. Ben oui, bien sûr. Tout de suite. As-tu resté? Ah oui, ça veut faire un drôle d'effet de débarquer. Ben oui, parce que toutes les fois, on était libre, on demandait. On avait perdu l'habitude. On ne savait plus où on était. Bon, vous voulez acheter des machins, mais on nous avait donné des cartes de ravitaillement pour les points. Vous voulez acheter des mouchoirs, parce qu'on avait un caleçon, une chemise, une paire de chaussettes. Alors, qu'est-ce que tu voulais faire avec ça? Alors, je vais dans un magasin. J'ai acheté des slips et je donne des tickets. Je dis, ben voilà. Elle m'a dit, mais il faut les payer. Je dis, et les tickets? Ouh, je dis, c'est compliqué ça. Le tonton Chanu, l'oncle Chanu, il se renseignait aux gares, à la gare de Lyon par exemple. Alors un jour à la gare de Lyon, on lui dit qu'il y avait bien des anciens prisonniers qui y étaient, dans le train. Et qu'il y en avait de la région. Alors, il nous fait dire,
de nous habiller, quoi, de, ouais, qu'il vienne nous chercher, que ça se pourrait qu'il y soit. Mais c'était pas sûr. Hein. C'était pas sûr. Alors on descend, on prie, dans ton Gabi, là. On était tous à la gare, là, bien à la bien descente du train. Alors, moi, je vois bien sortir un militaire, mais on ne s'est pas reconnu. Oui, et puis, je ne sais pas, il m'a regardé, moi aussi, on ne sait rien dire, on ne s'est pas bien reconnu, vous voyez, dites. Il passe devant l'entrée où il y avait le tonton, enfin, qui avait toute la famille, là, ils étaient au moins 4 ou 5. La même chose, le papa passe comme ça, pour, il l'a regardé, je ne sais pas reconnu non plus. Oui, c'était son beau-frère. C'était son beau-frère. Alors, il descend les escaliers de la gare, et puis il y a la... celle qui était bouchère en face du chevrier, là. Je ne me rappelle pas de son nom. Bouchère en face du... Il lui a dit, mais est-ce que tu as vu ta femme? Non. Mais elle est là-haut. Oh, ben alors. Dit-on, c'était pas reconnu. Alors, il revient vite. Puis là, il nous a tous vus ensemble, tonton Gabi, la tata, ouais, tout. Ouais. On était tous ensemble qu'on parlait, qu'on l'a pas vu, quoi. Ouais, on l'a pas vu passer, on l'a pas reconnu, et lui non plus. Et il est arrivé, il avait une capote, mais il était sale. Pas rasé, rien, pas rasé, il était sale. Moi, j'avais peur, j'avais peur. Parce que vous étiez aussi à l'accueil. Oui, oui. J'avais peur. C'est ça, mon papa, c'est celui-là, mon papa. Ah oui, il lui disait tout le temps. Oh, mais c'est un militaire, mon papa. C'est un militaire. Il était déçu, je sais pas comment qu'il était. Ouais. Une capote, là, en capote, pour raser plusieurs jours, sale, tout. J'en avais peur. Je n'osais pas trop m'approcher. Non, non, mais c'est au bout d'un moment, quand même. Je l'ai fait la bise. Qu'est-ce que tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Oh, ben je t'ai apporté mon ballon de foot. Qui est dans le cas. Le ballon de foot en vrai pot ah, quand en même, cuir. Il avait quelque chose. Ouais. Qu'il avait dans le camp. Qui jouait au foot dans le camp. Oui, il était dégonflé, quoi. Il avait pas de place. Bien rangé comme il faut. Mais vous n'étiez pas trop déçu, alors. Ouais. Et donc, tout de suite, vous avez, enfin, après quelques moments, vous avez accepté que c'était lui et que, Oui, après. Tout de suite des bonnes relations. Oui. J'ai pris le relais du papa. Ça a été peut-être un peu dur, mais enfin, bon, ben, il fallait le faire. Hein. Puis la maman, il faut continuer. La maman m'a toujours dit que... Et donc, derrière le moment, on a les prisonniers rassemblés. De quelle région? La grande photo. La grande photo qui est là? Oui. Ben, Bourgogne-Jallieu, les environs. Et le date de quand? Parce qu'il y a encore, heureusement, beaucoup de monde. Les années 50. Les années 50, oui. 50. Ah oui, c'était 50, je crois. C'était juste après. Mais il y en manquait, hein, maintenant. Il y en manque encore. Il y en manque, là. Il y en a qui étaient déjà morts. Ouais. 11 novembre et 8 mai, j'imagine. Voilà. Oui, puis j'étais à Ost avec. Oui, c'est moi qui le portais, Ost. Vous m'avez pris en photo avec. Et je vous rappelle, chers amis PG, chers amis veufs PG, de cette grande manifestation du 3 septembre 1949, j'avais 17 ans, je m'en souviens, plus de 100 000 PG ont remonté l'avenue des Champs-Élysées à Paris, et au travers de cette avenue, le gouvernement de l'époque avait eu l'audace de mettre des chars pour vous empêcher de passer avec vos drapeaux et remonter à l'Arc de Triomphe. Votre manifestation n'avait d'autre but que la reconnaissance de votre qualité de combattant en tant qu'ancien prisonnier de guerre. Vous aviez perdu une guerre, vous aviez été prisonnier, vous n'étiez donc pas de véritable combattant.
Et tout est parti d'ici. Et c'est la véritable raison, hein, en vous qualifiant de chevalier de la crosse en l'air. Hein. Donc le passé, nous devons en tenir compte. Tenir compte dans le présent pour préparer l'avenir. Alors, chers amis, je ne peux que vous conseiller d'être là, toujours, à nos cérémonies commémoratives, quelles qu'elles soient. Les morts n'appartiennent à personne. Et la mémoire doit être un facteur de rassemblement. Alors aussi, restons de véritables combattants pour la paix, au service de notre pays, pour l'honneur et la grandeur de la France. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans notre petite ville d'Aoste. Je suis fort honoré de recevoir ce congrès annuel des anciens combattants prisonniers de guerre, combattants d'Algérie, Maroc. Je vous salue, je salue votre noble mission qui perpétue la mémoire collective de ces terribles conflits qui ont déchiré la France et l'Europe, qui entretient le souvenir de tous ces combattants qui ont vécu les affres de la guerre sur les champs de bataille, d'abord, puis en tant que prisonniers, souvent utilisés comme forçats, mal nourris et maltraités, qui viennent en aide aux veuves de guerre et à leurs familles les plus démunies. La souffrance de tous ces combattants ne fut pas vaine, puisqu'ils nous ont rendu la paix et la liberté. Que leur vaillance, leur courage, leur solidarité nous servent d'exemple face aux nouvelles menaces que nous subissons aujourd'hui. Merci de rappeler aux nouvelles générations ce passé qu'il ne faut pas reproduire. Merci de nous aider, à lutter contre l'oubli. Attention pour les couleurs! Envoyez! Simplement eu de la veine et puis voilà,
simplement eu de la veine et puis voilà, simplement eu de la veine et puis voilà.